Mahabalipuram, petite ville de moins de 15 000 habitants au Tamil Nadu en Inde du Sud, fut l'un des grands ports du royaume Pallava à partir du 7e siècle. La ville doit son nom au roi Pallava Narasimhavarman, également connu sous le nom de Mahabali. La ville est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO pour ses monuments remarquables, entre autres, la descente du Gange, le Pancharatas, 5 chariots, structures monolithiques, des temples excavés dans des grottes.
Le temple du rivage fut construit entre 700 et 728, et il est probable qu'il n'ait jamais été en activité. Construit en granit local, il a beaucoup souffert de sa proximité de la mer, à cause des vents et du sel marin. Ce qui explique que les statues de vaches soient érodées à ce point. Ce temple est antérieur au Pancharatha tout proche, ces derniers étant monolithiques contrairement au temple du rivage. Le gouvernement indien a pris des mesures afin de le protéger des vents et de la mer. Ce sont ces mesures qui ont permis à l'ensemble de résister au tsunami de 2004. Ce temple est dédié à Shiva. Thank you.
un ensemble de monuments monolithiques a été creusé dans la roche granitique vers le milieu du 7e siècle. Ces cinq monuments ne sont pas des temples, parce qu'ils n'ont jamais été consacrés, ni même achevés. Les monuments représentent en fait des chariots tirés par des éléphants.